de gérer les fuites sous ce quai, là, sur cette partie-là, sur la partie amont du quai qui est en train de s'effondrer. Donc il y a des voies d'eau derrière la barrière. Voilà, qu'on voit qui ressort ici et donc on est en train de pomper. Donc le dispositif est posé sur l'eau. On amène donc le bord d'attaque au fond, on le laisse et c'est la charnière qui ensuite va se poser sous l'effet du pompage. Et on est en train de terminer la phase d'épuisement. On a identifié, donc réduit la fuite au niveau du quai principal. Et là, du coup, maintenant, avec notre capacité de pompage, on est capable d'arriver à un épuisement quasiment complet. Donc il y a toujours une arrivée d'eau, il y a des fuites en permanence, parce que le sol est poreux, et parce qu'on a des fuites, par exemple, sous le quai. Et on doit donc dimensionner les capacités de pompage, les mettre en place d'une manière optimale, notamment avec la présence d'algues qui peut boucher les crépines et ne pas rendre le débit maximal. Une autre précaution également, c'est de mettre les tuyaux les plus à plat possible avec le moins de coudes possible pour éviter les pertes de charge. Ici, on se situe presque 2,50 m au-delà du point le plus profond où les travaux vont se faire. Donc c'est toute une topographie du terrain et du fond du cours d'eau ou du fond du plan d'eau qu'il faut intégrer et envisager avant de réaliser la pose. Et dans le cas présent, on est allé chercher des fonds, on a dû s'écarter de la passerelle pour pouvoir trouver des fonds moins importants. Donc c'est un peu plus de linéaire, mais des barrières moins imposantes en termes de taille à installer. On a monté l'opération en deux temps. On a commencé évidemment par la partie la moins profonde, la plus facile, d'abord pour former les équipes, dimensionner les pompes, s'adapter au terrain, essayer de comprendre un peu l'hydrologie du terrain. Et voilà, et on vient de réaliser là l'installation donc du deuxième dispositif dans la partie profonde. La difficulté principale de cet exercice, c'est qu'on est en proximité de la mer avec des courants assez violents qui rend un peu délicat le positionnement de la barrière. Une fois qu'on a lancé le pompage et qu'on a réaliser le lestage en périphérie, la barrière se met en place et elle est inamovible jusqu'à ce qu'on retire tout ça en fin de chantier.